Ochedike mama. Udoka, c'est toi? Oui. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? J'ai remarqué que tu es devenu silencieux depuis 2 jours. Grande sœur, depuis le décès de maman, nous sommes dans ce village. Je suis fatigué. Ce n'est pas la vie que j'ai souhaité vivre. Et de même, ce n'est pas celle que j'ai souhaité pour toi. Grande sœur, je me demandais si nous ne pouvions pas retourner en ville, s'il te plaît. S'il te plaît. Udoka, je t'ai bien entendu. Je sais d'où nous venons, mais comment pouvons-nous aller en ville avec mon état? Comment je vais m'en sortir? Comment nous allons nous en sortir? J'aurai un boulot. Je vais travailler pour subvenir à nos besoins. Je veux juste... Ok, dès qu'on y sera, je vais commencer à vendre les bananes plantées de maman. Et je sais que ça va marcher, crois-moi. À vrai dire, je n'ai aucune envie de rester dans ce village, s'il te plaît. Je veux que nous retournions en ville, je t'en prie. Udoka, je ne pourrai pas te donner un coup de main. Si nous retournons en ville, je ne serai pas en mesure de t'aider. Cela n'est pas bon. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose. Je veux juste que tu viennes avec moi. Ainsi, tu pourras rester avec moi. Tu pourras me faire un beau sourire. Tu sais que ton sourire me donne la joie de vivre. Tu pourras chanter de beaux chants avec ta sublime voix. Avec ton sourire et ton chant, je me sentirai bien. S'il te plaît, grande sœur, allons en ville. Je t'en prie, grande sœur. S'il te plaît. Ma grande sœur adorée. Ma grande sœur spéciale. Ok, ok. Quoi? Ok, j'arrive, je vais ranger rapidement ce seau et je reviens. Udo, bonne arrivée. Comment a été le marché aujourd'hui? Rien ne marche. Je n'ai vendu qu'un seul tas de bananes. Oh. Désolé. Ne t'inquiète pas, demain tout va bien se passer. C'est ce que tu as répété pendant 4 jours. Ça commence à devenir très ennuyeux. Hé, hey, mon frère, sois patient. Calme-toi. Mais dis-moi quelque chose. Tu ne penses pas que je dois t'aider un peu? Non, je ne veux pas que tu sois stressée, je veux que tu sois tranquille et joyeuse. S'il te plaît, ne te fatigue pas, s'il te plaît. Udoka, c'est notre commerce. Laisse-moi t'aider un peu. Et puis je pense que le fait que je sois aveugle jouera en notre faveur. Ce n'est pas du tout marrant. Udoka, je suis aveugle. Et c'est ici que je vais rester. Pourquoi ne pas me rendre utile au moins une fois? Tu es sûr que tu veux le faire? Oui, je suis très sûr. D'accord, c'est compris. Est-ce que tu as mangé quelque chose? Non. Ok, je vais rapidement préparer de quoi manger. Merci, mon frère.
Grande sœur, oui. Je n'arrive toujours pas à croire. Nous avons vendu toutes les bananes plantées aujourd'hui. Certains clients nous ont même donné leur monnaie, ce qui a augmenté notre bénéfice. Hey, ta présence nous a apporté de la chance. C'est un boulot d'équipe. Tu as bien fait de me solliciter. Ta présence nous a vraiment apporté de la chance. Nous formons ensemble une bonne équipe. Ok, mais comptons l'argent. Ainsi, nous pourrons tout planifier pour demain. Comptez quel argent? Okay. Assieds-toi, grande sœur. Udo. Désolé, juste une maladresse. Ça va, assieds-toi. Assieds-toi d'abord. Qu'est-ce que tu veux manger? Tout ce que tu veux. Ah bon? C'est bien. Udoka. Tu es timide depuis ton retour. Est-ce que tout va bien? Je vais bien. Alors que tu ne manges pas ta nourriture? C'est quoi le problème? Je t'ai dit que je vais bien. C'est difficile pour toi de comprendre ça. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est à toi que je parle. J'ai posé une simple question et tu exploses. Tu m'expliques? Écoute-moi, je n'ai aucun compte à te rendre. Tu risques de me mettre en colère cette nuit. Je te conseille de rentrer chez toi. Sors! Vraiment? Tu rentres avec un air bizarre et je ne dois pas me soucier du tout. Eh bien, je vais bien. Je t'ai dit, je vais bien. Il faut être bouché comme toi pour ne pas le comprendre. Alors je suis insensé. Oui, tu viens de le dire. Tu ne fais que mélanger les choses ici. Tu mélanges tout. Hein? Flora, s'il te plaît, rentre. Sors et ferme la porte. Bonjour, il y a quelqu'un? Oui. Oui, il y a un colis ici pour vous. Veuillez signer, s'il vous plaît. Ok. Je ne comprends pas. Le colis est de la part de qui? Vous êtes sûr que vous êtes à la bonne adresse? Désolé, je n'ai pas plus de détails. Mais je sais que c'est destiné à Udoka, le commerçant de bananes plantées. Wow. Il me semble que tu as tous les détails. Ok. Signé par ici. Bonne journée, mais, monsieur. Monsieur, attendez. Grande sœur. Oui? Ces bananes commencent à se gâter. Ah. Peut-être qu'on doit les liquider rapidement. Salut. Mon amie Fioma ne dort toujours pas. Hugo. Comment tu vas? Ça va. Je vais bien. Bonsoir. Merci beaucoup. Je pense pas que vous allez retourner en ville. Vous avez mis trop de temps avant de venir à la campagne. C'est pourquoi nous sommes encore là. Attendez une minute. Vous préparez une fête ou quoi? D'où viennent tous ces produits, hein? Je ne sais même pas. C'est quelqu'un qui nous les a envoyés, mais nous ne connaissons pas la personne. Hein? Vous êtes sûr que c'est ici qu'on devait envoyer ces choses? Je ne sais pas. Toutes les références que le coursier a dit correspondent à notre maison. Il a même parlé de ma sœur aveugle. C'est étrange. Mais attendez. Il n'y a aucun mal si vous le consommez. Vous pouvez le manger, n'est-ce pas?
Et Hugo, hein? C'est une bonne idée, tu es sûr? Dis-moi alors ce que vous devez faire. Vous n'avez pas d'adresse pour aller vous renseigner sur ces aliments. Hein? Vous n'avez aucune information. Ah, vous n'avez qu'à manger, on verra plus tard. Ah, allez-y, mangez. C'est juste un présent, hein? Ah, cette personne est vraiment gentille, hein? On dirait que vous préparez une fête. Ah, waouh! On verra bien. Où est mon téléphone? Où est-ce que tu as envoyé les produits que tu as achetés? Tu parles de quels produits? Je parle de ces produits. Ils ne sont pas ici. Attends, je ne te suis pas. Tu es dans cette maison pour vivre avec moi? Ou bien pour m'espionner? Parce que je ne comprends pas quel problème tu as avec ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Pourquoi toutes ces questions? Je n'arrive pas à y croire. Tu t'entends parler? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe, Dave? Donc, je n'ai plus de droit dans cette maison? Je ne peux plus te poser de questions ici? Nous allons bientôt nous marier. Regarde comment tu me parles. Si tu n'es pas intéressé par cette relation, tu me le dis simplement et moi, je ne perdrai pas mon temps. Madame, je vais au boulot. Excuse-moi. Tu dois me donner des explications. Ah! Oh!
Bonsoir, bébé. Salut. Et ta journée? Très bien. J'étais dans la cuisine et j'ai vu toutes ces bananes. À ce que je sache, tu n'as jamais ramené de bananes. Que cache tout ça en réalité? J'aime la banane plantain. Surtout, je l'aime bien au petit déjeuner. Bien. Ok. Ça fait un peu beaucoup, tu trouves pas? On risque de ne pas les finir parce que j'en ai ramené aussi. Flora, tu as un problème avec ça? Oh non, 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 non. Bien sûr que non. Pourquoi tu es toujours sur la défensive avec moi? S'il te plaît, écoute. J'ai une journée très épuisante. S'il te plaît, je veux me reposer, ok? Grande sœur, surveille ces bananes. Il ne reste plus que 3 tas. Je vais remettre les bananes de la voisine. Je reviens dans un instant. Ok. À tout à l'heure. D'accord. Salut, comment tu vas? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Où est ton frère? Il vient de partir, il est allé faire une course. Monsieur, vous voulez de la banane? Oui, je vais toutes les prendre. Toutes? Oui. Il ne reste que 3 tas. Ça fait 1500, monsieur. Ok, je les prends, ok? Merci, monsieur. Merci de beaucoup. Rien. Voici l'argent. Merci beaucoup. Comment se fait-il que tu as confiance en ce que je t'ai donné? Tu es aveugle. C'est pas votre voix. Je sais que vous n'allez pas me faire du mal. Monsieur, vous pouvez attendre mon frère. Non, merci. Ça va, je vais les porter moi-même. Merci, monsieur. Ok. Merci. On se verra la prochaine fois. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Monsieur, il y a un sac sous la table. Non, non. Ça va, je peux les prendre. Vous en êtes sûr? Oui, oui. Au revoir, monsieur. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci. À bientôt. Oh, caca. Onye kelie nine. Oba tamba chiriuzo. Onye mwike. Nano neni kwe. Otito dirigi. Grande sœur. Oui. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Qui t'a donné tout cet argent? Tu parles de cet argent? C'est l'argent des bananes. Je ne parle pas de l'argent que tu as dans la main, mais plutôt de celui-ci. Mais d'où vient cette somme? Je te demande et tu me retournes la question. Combien de personnes sont passées à mon absence? Un monsieur. Il a tout acheté. Je ne comprends pas. D'abord, c'est de la nourriture. Maintenant, c'est de l'argent. J'ai l'impression que ces deux choses ont un lien, je t'assure. C'est aussi ce que je pense. C'est ce que je pense, mais qui fait tout ceci? Je me demande aussi. Car nous ne connaissons personne ici d'aussi riche pour nous rendre un tel service. Comme tu l'as dit, le coursier a même parlé de ta sœur aveugle. Il est évident que ce présent était destiné à Ifioma. Je suis effrayée. Je suis embarrassée car... À vrai dire, je commence à avoir peur. Je commence à être inquiète. Bien. Mais je dois découvrir qui est cet homme mystérieux. Je vais le savoir. Pourquoi es-tu sûre que c'est un homme? On ne sait jamais. Ça pourrait être sans doute une femme. Les femmes ne font pas ce genre de cadeau à leurs camarades. C'est un homme. C'est sûrement un homme qui fait toutes ces choses. Oui. Si c'est un homme, je pense qu'il doit être malade. Ou faire la cour à une aveugle. Tu as raison, ma sœur. Quoi? Oh, ne te fâche pas, c'est juste pour rire. Hein? Je ne peux plus jouer avec vous. Hein? C'était juste pour rire. Hugo, tu es sûr que tu veux attendre?
Tu risques de perdre ta journée pour rien. Écoute-moi très bien. Cette personne mystérieuse, je dois découvrir qui c'est. D'accord, ok. J'aime bien ta compagnie, de toute façon. Voilà, tu me parlais de quelque chose. Tu vois, non? Oui. Cette fille a voulu que je parte avec elle. On était convenus d'aller ensemble chez ma mère. Peux-tu, s'il te plaît, me dire ce que tu comptes faire? Comme je te l'ai dit, c'est personnel. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le secret? Écoute, je te le dirai quand je serai prêt, ok? De quoi est-ce que tu parles au juste? Écoute, Flora, s'il te plaît, laisse-moi, ne m'embrouille pas l'esprit. Oh. Le faible dit. Salut, comment Salut, tu vas? Salut, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je vais acheter de la banane. D'accord. C'est 300 le tas que vous voyez. Vous en voulez combien, monsieur? Il n'en reste plus assez. Ok. Je vais prendre 2 tas. 2 tas? Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Tenez l'argent. Merci. Et gardez la monnaie. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Le sac est sous la table. Merci. Dis-moi, pourquoi tu me suis? Qu'est-ce que vous voulez à mon ami? Excuse-moi. Eh bien, je parle d'Ifioma, la jeune fille aveugle qui vend la banane. Que voulez-vous d'elle? Vous pensez que je ne sais pas que vous lui remettez à chaque fois de l'argent? Même la nourriture qu'elle a reçue à la maison, vous pensez que je ne le sais pas? Dites-moi ce que vous voulez d'elle. Eh, qui êtes-vous? Je me nomme Ugoma. Mais, vous savez, vous pouvez m'appeler Hugo. Je suis son ami. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Que je la vois ou pas, cela n'est pas tes affaires. Je te conseille de t'écarter. Donc de m'écarter? Ok. Mais j'aimerais savoir, dites-moi, pourquoi un bel homme comme vous, avec ce beau corps et ces belles fringues, qu'est-ce que vous avez à être ami à Ifioma, la pauvre et aveugle commerçante de bananes plantains, Elle n'est pas du tout jolie, elle est vilaine. Regardez-moi, vous me trouvez comment? Comme je te l'ai dit, ce n'est pas ton problème. Ok, maintenant en ce qui concerne ta vilaine amie aveugle, j'espère que tu as un miroir à la maison. Tu ferais mieux de foutre le camp. Moussa, ouvre la porte, je vais faire entrer la voiture. Hein?
Qui êtes-vous et pourquoi vous débarquez subitement comme ça chez moi? Ça ne va pas, non? Donc, c'est bien toi? Tu es la chose qui fait que Dave me traite comme une peste. Dave? De quoi tu me parles? C'est qui, Dave? Tu n'es pas que stupide, mais tu es aussi sourde. Oh. Donc, vous êtes sa petite amie? Ah, désolée, écoutez. C'est parce que vous ne le prenez pas bien qu'il va voir cet aveugle commerçant de bananes. De quoi est-ce que tu parles? C'est quelle commerçante? Oui, il s'agit de Ifioma, la commerçante aveugle. C'est la fille à qui votre mari fait la cour, ok? La prochaine fois, avant de venir m'accuser de quoi que ce soit, allez bien vous renseigner avant de débarquer chez moi. C'est compris, non? Ne me poussez pas à bout. Maintenant, grande sœur, tu te souviens de ce savon que tu m'as demandé d'acheter? Tu parles de quel savon? Ce savon que j'ai acheté et que tu ne voulais pas. Ne me fais pas rire, Udoka. Bonjour, monsieur. Salut, comment tu vas? Je vais bien. C'est vous? C'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Je reconnais cette voix de toute manière. C'est le plus important. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Vous laissez toujours la monnaie pour moi. Je veux dire pour nous. Grande sœur, tu es sûre? Oui, oui. Il me donne de l'argent à chaque fois qu'il achète de la banane. Honnêtement, je suis perdu. Monsieur, c'est vrai que je suis aveugle, mais j'ai fini par reconnaître votre voix. Vous savez, je ne remets pas en doute votre intelligence, mais... Monsieur, si ma sœur dit qu'à chaque fois vous lui avez donné de l'argent, c'est que je la crois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi? Ben, j'espère que vous ne l'avez pas pris en main. Non, pas du tout, monsieur. Monsieur. D'accord, cool alors. Faisons le programme. Ok. Je viendrai vous voir ici demain et ensemble nous irons chez vous. Ça vous convient? Quoi? Il viendra chez nous. D'accord, monsieur. Vous pouvez venir nous chercher. Ok, je peux avoir mes bananes maintenant? Oui, oui. Vous voulez, oui, laquelle des bananes? Alors mon frère va vous les donner. Vous les voulez toutes? Oui, je vois que vous aimez la banane chez vous à la maison. Oui, je vous accompagne. Je vais les mettre dans votre voiture. Ok, comme tu veux. Merci beaucoup, monsieur. Attends, je vais... Merci, monsieur. Ok. Que Dieu vous bénisse. Donc, je reviendrai ici demain. Ok, monsieur. On se verra demain. D'accord. Je sais que vous avez beaucoup de questions à me poser, mais je suis prêt à répondre. Tu sais, le premier jour que je t'ai vu, Ifeoma, j'ai été émerveillé. J'étais émerveillé par la manière dont tu appelais les clients. Tu étais très jovial, ton sourire était très attirant. Tu vois, je sais que beaucoup de personnes dans ta condition auraient préféré mendier plutôt que de travailler. J'ai été stupéfait en te voyant vendre des bananes. Tu comprends donc, je me suis juste dit que je devais te donner un coup de main. Dites-moi ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voyez, je veux vous aider. Udoka, je sais que tu es un homme bien. C'est la raison pour laquelle je veux vous aider. Merci. Merci. Monsieur, nous savons que vous voulez notre bien-être. Mais j'aimerais savoir... Pourquoi vous avez décidé de nous venir en aide? J'espère que ce chien ne viendra pas ici pour nous mordre. Non, pas du tout, monsieur. Si je peux le dire, je dirais que c'est une destinée. Hey, je crois que j'étais destinée à être ici, n'est-ce pas? Hugo, pourquoi aimes-tu plaisanter de la sorte?
Hugo, je te présente Monsieur Dave. C'est l'homme mystérieux qui nous envoyait des cadeaux. Hey! Oh, enfin, le mystère a eu un visage. Comment tu vas, Hugo? Salut, Hugo. Oh. Enchanté. Ouais. Ok, donc, Ifeoma, comment as-tu perdu la vue? Explique-moi, tu es née aveugle? Je ne suis pas née aveugle. Cela s'est passé il y a 5 ans de cela. Dans un accident de la circulation. Ma mère et moi avions été victimes de cet accident. J'ai perdu la vue, mais ma mère, elle, a perdu la vie. Wow. Je suis vraiment désolé. Non, vous n'avez pas à être désolé. Mais ce chauffard, peu importe l'endroit où il est, peu importe ce qu'il fait, il ne connaîtra jamais le bonheur. Amen. Oui, il n'aura jamais la paix. Tout ce qu'il cherchera sera voué à l'échec. Ça va, dis-moi. Ça va. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de le maudire. Vous savez, le plus important, c'est que... Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve la vue. Oui, c'est vrai. Grand... Udoka? Vous êtes sérieux? Vous dites... Merci beaucoup, Monsieur Dave. Non. Vraiment. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Oui, qu'il vous bénisse. S'il te plaît, Omar, lève-toi. Vous ne savez pas combien de fois nous sommes contents. Ça va, okay. S'il te plaît, calme-toi. Lève-toi, ça va. Calme-toi, je t'en prie. Ce n'est rien. Vous voulez le faire pour moi? Calme-toi, ok? Vous voulez dire que vous allez l'aider à retrouver la vue? Merci beaucoup. Monsieur, vous avez assez fait pour nous. Dieu est merveilleux. Vous avez assez fait pour nous jusque-là. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Non, ne vous gênez pas du tout, ok? Je veux vraiment vous aider. Attendez. Comment être sûr, hein, que vous dites la vérité? Et Fiona, attends. Laisse-moi lui demander, je vais lui demander, hein? Comment être sûr que vous ne voulez pas quelque chose en retour? Je comprends. C'est parce que, contrairement à ce chauffeur, j'ai une conscience. Je crois aussi que la vie n'est pas juste pour tout le monde. Je veux juste vous aider. De la manière la plus simple. Merci. Il y a aussi une seconde chose très importante. Je souhaite que vous arrêtiez de commercialiser de la banane plantain. Je vous enverrai tout ce dont vous avez besoin. Je vais monter une affaire pour vous. Vous en êtes sûr? Merci, monsieur. Monsieur Dave. Vraiment, merci. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur Dave. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, monsieur. Merci beaucoup. Vraiment, merci, monsieur. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît, monsieur. Levez-vous. Arrêtez. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. De la manière dont les choses se passent, c'est le moment de mettre mon plan en action. Pendant que Flora est occupée avec Ifeoma, le prince charmant sera simplement trop stressé pour me repousser. De toute façon, Flora est riche. Elle n'a pas besoin de Dave. Ifeoma, elle est aveugle. Elle n'apprécie pas la beauté de Dave comme moi. Alors comment je peux pas avoir un plan? Pourquoi je peux pas avoir Dave? Ce n'est pas la mer à boire. Je sais quoi faire. Je sais ce que je vais faire. Dave. Que la fête commence. Que la fête commence. C'est bien. Dave. À nous deux. Dites-moi, que voulez-vous?
Dites-moi ce que vous voulez, je ne sais pas. Parce que ce que vous faites, monsieur, là, ce n'est pas clair pour moi. Qu'est-ce que vous cherchez chez mon ami Ifyoma, hein? Vous avez une belle petite amie, hein? Que voulez-vous faire avec Ifyoma? Qu'est-ce qu'il y a? C'est plutôt toi, Ogo, qui raconte des bêtises et des choses sans fondement. Comment es-tu arrivé ici? C'est un problème, hein? Si vous traitez bien votre petite amie, hein? Devrait-elle se promener dehors pour savoir si vous avez une relation? Écoute, ce qui se passe dans mon couple ne te concerne pas, ok? C'est comme si vous recherchiez un réconfort. Hein? Comment vous me trouvez? Hein? Vous m'intéressez bien, vous savez. Je ne vous plais pas? Regardez-moi, admirez-moi. Hein? Comment vous me trouvez? Hein? Tu n'as vraiment Allez-y, rien à dire. Allez-y, dites quelque chose. Comme je le vois, tu es vraiment sublime. Maintenant, dehors! Sors d'ici! Dehors! Mais... j'ai... Wow. Hey, salut. Toi encore. Qu'est-ce que tu veux maintenant, hein? Conduis-moi à sa maison. Hey, calme-toi. Calme-toi, ok? J'en ai rien à faire. Écoute, je dois vraiment la voir. Je sais ce que tu veux. C'est bon. Hey, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que je ressemble à une mendiante? C'est quoi cette petite somme? Je ne suis pas une mendiante. Je ne suis pas une mendiante. Je pense que c'est assez. Satisfaite? Écoute, j'ai fait ceci parce que je suis gentille. Ce n'est pas parce que tu m'as donné de l'argent. C'est parce que je suis une personne gentille, c'est tout. Je vais t'y conduire, mais à une condition. Je vais te montrer la maison, mais je ne peux pas rentrer dans cette maison. Hein? Ifyoma et moi, nous sommes de vrais amis. Peu importe, comment peut-on y aller? Oui, allons-y. Hein? C'est par où? Allons de ce côté. Y a quelqu'un? Mm-hmm. Qui est là? Qui est là? Donc, c'est dans cette baraque que tu vis? Qui êtes-vous? Je suis celle qui va t'ôter la vie si tu n'arrêtes pas de tourner autour de mon fiancé. Hein? Fiancé? Non. Madame, s'il vous plaît, je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas de quoi vous parlez. Comment peux-tu le savoir? Tu n'es pas que misérable et aveugle, tu es aussi sourde. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ne pouvez pas venir chez moi pour m'injurier. Si je t'insulte, qu'est-ce que tu peux? Je ne vais pas vous répondre, madame, mais je tiens à vous dire que votre fiancé n'est pas ici. Elle joue l'intelligente avec moi. Tu ne sais pas qui est Dave? Monsieur Dave? Salut. Qui êtes-vous et vous voulez quoi? Udoka, c'est la fiancée de Monsieur Dave. Oh, Madame Dave. Épargne-moi tout ça. Compris. Écoute-moi bien. Dis à ta sœur de rester loin de mon mec. Elle est déjà aveugle. Oh, vous allez entendre. Je ne vais pas seulement vous menacer, mais je vais la rendre sourde et lui couper les pieds aussi. Ce n'est pas qu'une simple menace, mais c'est une promesse. Dis-lui de rester loin de mon mec. Dégagez de mon passage. Tu vas bien? Ok, on y va.
C'est qui ça? Entrez. Udo? Que fais-tu ici? Ifyoma, elle va bien? Contrairement à ce que tu peux penser, elle se porte très bien et parfaitement bien. Contrairement à ce que je pense? Udoka, de quoi est-ce que tu parles? Stop! Stop! Tu peux blaguer ma sœur. Oh, mon ami, mais moi, tu ne peux pas me blaguer. Oui. Ah, tu sais que je ne t'aime pas, pas du tout. Mais Dieu merci, ta vraie face vient d'être découverte. Udoka, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu penses que je ne sais pas ce que tu fais? Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu penses que je ne t'ai pas vu? Tu penses que je ne t'ai pas vu pointer du doigt notre maison à cette fille que Dave doit marier? Tu penses que je ne t'ai pas vu en train d'indiquer notre maison à cette fille? Et tu oses me demander de quoi est-ce que je parle? Moi? Non, moi. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que tu es en train de préparer. C'est bien ce qui m'intrigue le plus. Écoute, Udoka, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Comment vas-tu le savoir? Je te mets en garde. Si quelque chose de mal arrive à ma sœur à cause de toi, laisse-moi te dire que tu ne vas pas croire à ce que je vais te faire. Udoka? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. Il y a longtemps que vous êtes là. Excusez-moi. Oui, ça fait un moment. Elle est là, Ifeoma? Oui, elle est là. Elle va bien. Ok, bien alors. Va la chercher pour moi. Dis-lui que je veux qu'on sorte. Désolé, monsieur. Cela ne pourra pas être possible. Pourquoi? Monsieur, s'il vous plaît. Je ne veux pas que votre union avec ma sœur nous crée des problèmes. Nous ne pouvons faire face à aucun problème. Pitié. De quoi est-ce que tu parles? Votre petite amie est venue ici. Elle a demandé à ma sœur de s'éloigner de vous. Et elle a dit que si elle ne le fait pas, elle fera tout pour l'éliminer. S'il vous plaît, nous ne voulons pas d'histoire. Flora était ici? Oui. Mon Dieu, j'espère qu'elle n'a fait aucun mal à Ifeoma. Non, elle ne lui a rien fait. Je suis arrivé juste à l'heure. Mais de grâce, monsieur, nous n'avons pas de force pour affronter quelqu'un. Je ne veux pas que quelque chose lui arrive. Elle est la seule personne que j'ai au monde. Ok, je suis vraiment désolé. Je te promets de tout réparer. S'il te plaît, est-ce que tu peux l'appeler pour moi? Je veux juste la voir, s'il te plaît. Je suis désolé, ce n'est pas possible. S'il vous plaît, allez-vous-en. Rentrez chez vous ainsi. Nous n'aurons pas de problème avec quelqu'un. S'il vous plaît. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Ok, bye. Udoka. Flora. 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 Oui, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout ce bruit? Tu veux casser tout? Dégage. C'est exactement ce que je vais faire si tu ne me dis pas la vérité. Pourquoi tu allais menacer Fiona et son frère? Tu as une mémoire courte. Tu sembles vite oublier les choses. Pour toi, ce n'était qu'un simple accident. Mais moi, ma conscience ne fait que me gronder. De quoi parles-tu? Cette fille, Feoma, c'est la fille que nous avons renversée il y a de cela 5 ans. Oui. Sa mère est morte, tandis qu'elle a perdu la vue. Je n'avais plus la conscience tranquille depuis ce jour. Je me suis rendu à l'hôpital et c'est là que j'ai su que sa mère était morte et qu'elle avait perdu la vue. J'ai pris bien soin de la fille en cette nuit. C'est la raison pour laquelle quand je la vois, je suis obligé de l'aider. C'est aussi simple que ça, mais tu m'empêches de le faire. Mais tu ne me l'avais pas dit? Je ne te l'ai pas dit, car si je te le disais, tu n'allais jamais accepter que je l'aide. Exactement. Tu ne lui dois rien, Dave. C'est un accident.
C'est regrettable qu'elle ait perdu la vue. C'est dommage. Tu t'entends parler? C'est la raison pour laquelle je ne t'ai rien dit. Parce que tu es une méchante fille. Tu es très égoïste. Écoute, bébé, tu en as assez fait pour elle et son frère. Laisse-la et concentre-toi sur notre relation. Ne me touche pas. J'aurai la conscience tranquille si j'aide cette fille à retrouver la vue. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Est-ce qu'elle le mérite? Vraiment, c'est la question que tu me poses. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta tête, tu es insensé. Oui, elle le mérite. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle puisse retrouver la vue. C'est juste un service ou alors tu as commencé à avoir un faible pour cette stupide commerçante? Je lui donnerai tout ce dont elle a besoin. Si tu prétends que tu ne ressens rien pour elle, alors prouve-le. Comment? Choisis entre moi, c'est-à-dire notre relation, et cette stupide fille aveugle. Non, ne fais pas ça. Tu risques de pousser le bouchon très loin. Ne fais pas ça. Choisis. Tu veux vraiment que je choisisse? Oui. À vrai dire, tu sais quoi? Mon choix, c'est elle. Je la choisis plutôt que toi. Tu choisis cette fille plutôt que moi? Oui. Tu ne veux plus de notre relation? Oui. C'est fini entre nous? C'est une question, n'est-ce pas? Tu as déjà ta réponse. Oui, je l'ai choisie. Étant donné que tu n'as pas de conscience, Flora, je n'ai absolument rien à faire avec toi comme tu le constates. J'en ai assez de toi. Non, tu ne vas pas te débarrasser facilement de moi. Tu m'appartiens et je ferai tout pour que tu puisses me marier. Retiens-le. Tu vas m'épouser. Tu vas m'épouser. Ne me dis pas que tu es surprise de me voir ici. Comment as-tu trouvé ma maison?
J'ai oublié que tu connais tout le monde. Oui, bien sûr, je connais tout le monde. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne vas pas m'inviter à entrer. Invite-moi à entrer, ainsi nous pourrions avoir notre conversation. Tu comprends? Il est hors de question que je te fasse entrer chez moi. Dis-moi pourquoi tu es ici ou sinon tu dégages. De toute manière, je suis fauchée, je n'ai plus de sous. Je me demandais comment faire pour avoir de l'argent et je me suis souvenue de toi. Il faut être stupide pour que je t'en donne. Sors de chez moi. Bien, c'est ce que je me suis dit. Mais tu sais, je me suis dit que tu allais m'aider. Tu vois, considérant le fait que tu ne veuilles pas que la police vienne demander des questions concernant la mort de la mère de Ifyoma. De quoi est-ce que tu parles? Oui, je sais tout ce qui s'est passé cette nuit. Je sais absolument tout. Donc, si tu veux que je parte, c'est compris. Je ne sais pas où mes pieds vont me conduire, mais peut-être qu'ils me conduiront à la police. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Comment l'as-tu su? Y a-t-il un problème? Moi, je ne vois aucun problème. Combien veux-tu? Tu dis quoi? Combien je veux? Arrête de me mettre en colère et dis-moi combien tu veux. Bien, tu vois, vu le fait que c'est un cas de meurtre, tu vois, la situation est très grave, car c'est un meurtre. Donc, je peux accepter 200 000. Tu vois, c'est un prix entre amis. Je reviens. Je vais te faire une proposition. Que dirais-tu si je te donne 1 000 000 pour me faire une petite faveur? Un million de biens! Pour cette somme, je peux même t'apporter la tête de Jean-Baptiste. Suis-moi dans la maison. Un million de biens, 1 000 000. Ok. Oh, Dave. Oh, tu n'es pas supposé aimer cette fille, mais plutôt l'aider. Allez, voyons. Oh merde, Seigneur, cette fille m'a carrément pris la tête. Je n'arrive plus à l'oublier. Seigneur, aide-moi pour que je puisse aider cette fille à retrouver la vue. S'il te plaît, Seigneur. Ifyoma! Ifyoma! Ifyoma, dépêche-toi, nous devons aller vite pour réserver la place. Tu sais que c'est une nouvelle place, donc dépêche-toi. Je suis là. Dis-moi, Hugo, tu parles de quelle place à la fin, hein? Pourquoi ça doit être forcément aujourd'hui? Ifyoma, tu veux toujours être la dernière, avoir le dernier mot, hein? Tu es aveugle des yeux et non de l'esprit. Non, je ne te permets pas. Hugo, ça va. Allons. Ok, allons. Suis-moi, ok? Ce téléphone est magnifique. Eh mon Dieu. Udoka. Hein? Udoka. Monsieur Dave. Comment bonjour. Tu vas? Je vois que tu es occupé avec ton nouveau téléphone. Oui, monsieur, vous ne pouvez pas imaginer comment ça me fait plaisir. Merci. Ok, cool. Où est Ifeoma? Tu peux l'appeler pour moi? Je m'apprêtais à vous le demander. Je pensais qu'elle était avec vous, non? Non, non. C'est maintenant que j'arrive ici. Hey. C'est étrange ça. Je ne l'ai pas trouvée à mon retour et je me suis dit qu'elle était avec vous. Es-tu sérieux? Oui. Je pensais qu'elle était avec vous. Ok, il n'y a pas de problème. Nous allons attendre qu'elle vienne. Dis-moi, elle n'est pas avec son ami Hugo? Je ne suis pas si sûr, je ne suis pas sûr. Ok, ok, pas de problème. Je m'en vais et je reviendrai plus tard. Si elle arrive, étant donné que tu as un téléphone, passe-moi un coup de fil. Ok, merci. Au revoir. Je ne vais pas loin. Okay. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais où a-t-elle bien pu aller? Hugo? Oui.
Tu as dit que l'endroit n'est pas loin. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes déjà arrivés, d'accord? Attends, je vais jeter un coup d'œil pour voir, d'accord? Attends. Hugo! Attends. Oh. Regardez qui nous avons là. La célèbre, charmante commerçante de bananes plantes. Qu'est-ce que tu dis maintenant? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Ne me faites pas de mal, qu'est-ce que je vous ai fait, s'il vous plaît, je vous en prie. Qui es-tu pour négocier avec moi? Elle a mangé. Est-ce qu'elle a eu sa nourriture? Hugo? Hugo, c'est toi? Hé, Hugo, tu fais partie de cette bande? Hugo, qu'est-ce que je t'ai fait au juste? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Hein? Ifioma, s'il te plaît, n'empire pas la situation. S'il te plaît. Hugo, tu es mon ami. Pourquoi? Je suis désolée, je n'ai pas de réponse à te donner, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez me faire? J'avais prévu pas grand-chose avec toi. Mais tu vas rester. Je vais t'utiliser. Pour avoir ce que je cherche. Comment? Tu sais quoi faire. Si elle déconne, tu sais quoi lui faire. Hugo, s'il te plaît. Ils m'ont dit que tu attendais dehors. Qu'est-ce que tu veux? Car la dernière fois chez toi, tu avais dit que c'était fini. Où est Ifeoma? De quoi est-ce que tu parles? Ifeoma est portée disparue, ça fait maintenant 3 jours. Tu es la personne la mieux indiquée pour faire une chose pareille. Je suis contente que tu me connaisses bien. Je sais que tu ne l'as pas fait en vain. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Impressionnant. Tu me connais parfaitement, Dave. Donc? On doit conclure notre accord de mariage. J'aimerais bien que tu le suives jusqu'à la fin. Si tu veux revoir ta charmante aveugle commerçante de banane plantain. Je ne vais jamais me marier à toi. Vraiment? Très bien. Alors sa mort grondera ta conscience. Je vais le dire à la police. Vas-y, fais-le. Je vais le nier jusqu'à la fin. Je vais te dire une chose. J'appelle mes hommes chaque 2 heures. Donc si je ne le fais pas, ils l'éliminent. Alors si j'étais toi, je réfléchirais 2 fois. Excuse-moi. Hugo! Hugo! Où est ma grande sœur? Udoka? Je te demande où est ma sœur! Tu me parles de... Udoka, tu as commencé encore! Tu as recommencé encore! Je t'ai dit que je ne sais pas où elle est! Moi-même, je la cherche! Ne fais pas semblant de la chercher! Tu es la seule personne que ma sœur suit sans problème! Alors, où est ma sœur? C'est vrai! Elle me suit partout, mais cette fois-ci, Ifeoma ne m'a pas suivi! Je ne sais pas où elle est, ok? Écoute-moi très bien! S'il arrive que je fasse la découverte que tu es impliqué, je vais creuser ta tombe! Attends, tu verras! Tu ne peux rien faire! Tu ne pourras rien me faire! Insensé! Wow! Je ne savais pas que tu pouvais te décider aussi vite! Qu'est-ce que tu as décidé? Eh bien, j'ai décidé de... Excuse-moi. Allô?
Ok, c'est compris. J'arrive. Je suis en route. Je t'ai apporté de la nourriture et de quoi te mettre sous la langue. S'il te plaît, Fiona, tu n'as rien mangé depuis des jours. Mange quelque chose. Hein? Je n'ai pas faim. S'il te plaît, Fiona, mange ceci. Tu risques de te faire mal à toi-même. Hugo. Pourquoi tu me fais tout cela? Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Oui. Tu veux que je te dise, hein? Oui. Dans ce cas, demande-moi pourquoi c'est toujours toi qui as les bonnes choses, hein? Pourquoi c'est à toi que tout ce qui est bon revient? D'abord, c'était ta maman. Tu avais tout son soutien, hein? Ensuite, tu as un frère qui peut mourir pour toi. Maintenant, c'est Dave qui te fait la cour. Cependant, regarde-moi. Regarde-moi, je n'ai absolument rien. Tu penses qu'avec toutes ces bonnes choses que tu as, je suis contente pour toi, mon ami? Tu penses que je suis contente, n'est-ce pas? Hugo! Dave! C'est à cause de Dave que tu me fais tout ça! Hugo, ce n'est pas de ma faute s'il m'aime par rapport à toi. Ce n'est pas de ma faute. Tu penses que Dave te préfère à moi? Tu penses que Dave te préfère à moi? Laisse-moi te dire quelque chose. C'est bien fait. Dave. Dave ou David, peu importe comment il s'appelle, hein? Il n'est pas fait pour toi. Dave ne t'aime pas un seul instant. Tu te souviens de la nuit où cette voiture a ôté la vie à ta mère et t'a rendu aveugle? Dave était à l'intérieur de cette voiture. Oh oui, Flora était la conductrice et Dave était dans cette voiture, d'accord? Non. Non. Non, Hugo, tu es une menteuse. Tu ne me dis pas la vérité. Tu es en train de me mentir. Dave n'a jamais fait ça. Dave ne fera jamais ça à moi. Tu es en train de me mentir. Ferme-la. C'est faux. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, ok? Je te dis que je l'ai entendu dire qu'il était à bord de cette voiture. Il avait bu. C'est Flora qui conduisait cette voiture-là. Il était à l'intérieur de cette voiture quand elle a tué ta maman. Hugo, c'est faux tout ce que tu me dis. Tu es en train de me mentir. Hugo, tu es en train de me mentir. Tu penses que tout ce qu'il t'a donné, c'est en vain, hein, c'est ça? Il te donne de la nourriture. Il te donne tout ceci pour avoir la conscience tranquille. Tu m'écoutes? Dave n'est pas en réalité amoureux de toi. Regarde qui j'ai trouvé. Udoka. Mon frère. Mon frère, qu'est-ce que tu fais dans cet endroit? Grande sœur, je suis désolé. Je suspectais Hugo d'avoir un lien avec ta disparition, donc j'ai décidé de la suivre. Hein? Tu as fait quoi? Tu vois maintenant. Il m'a suivi. Donc tu es venu voir ta sœur. Donc tu pensais que tu allais m'avoir comme ça. Raté. Tu peux rien me faire. Tu ne peux absolument rien faire. Te voilà maintenant. Tu es venu la voir. Voilà maintenant. Vous deux, vous allez mourir ensemble aujourd'hui. S'il te plaît, Hugo. Vous allez mourir ensemble aujourd'hui. Hugo, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu dois d'abord passer sur mon corps avant de les éliminer. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir kidnappé Fiona et son frère. Vous avez le droit de garder le silence, sinon tout ce que vous direz sera retenu contre vous au tribunal. Suivez-moi.
Allez, avance. Ça va? Grande sœur, ne pleure plus. C'est terminé. Ifeoma. Laisse-moi tranquille. Ifeoma. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, laisse-moi tranquille. Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui vient de nous sauver. C'est vrai que tu étais dans la voiture qui a renversé ma mère et moi il y a 5 ans de cela. Dis-moi. Quoi? Dave, est-ce que c'est vrai? Ok. Bien. Oui, mais je peux tout expliquer. Non, non, Ifeoma, je peux tout expliquer. Ne touche pas à ma sœur. Non, c'est la raison. Écoute, Ifeoma. C'est la raison de ton rapprochement avec ma famille. C'est la raison pour laquelle tu es en train de nous aider. Ifeoma, ce n'est pas ce que tu penses. Je peux tout expliquer. Ne touche pas, ma sœur. Ne la touche pas. Toi. Tu es un déshonneur. Je pensais que tu étais un homme bon, mais tu es plutôt un manipulateur. Je ne veux plus que tu t'approches de moi ou de mon frère. Laisse-nous seuls. Tu l'as bien entendu. Laisse-nous tranquilles. Allons, grande sœur. Ifeoma. Ife. Ifeoma. Monsieur l'agent, je n'y suis pour rien. Avance. C'est sans doute une erreur de votre part. Avance. Je suis innocente. J'ai tout essayé. Pour être en contact avec ta sœur, je veux la voir, mais elle ne veut pas me voir. Elle ne veut pas me parler non plus. Je veux que tu me fasses cette faveur. Et tu penses que tu as le droit à une quelconque faveur? Tu devrais plutôt te réjouir qu'on ne t'ait pas dénoncé à la police. Oui, je suis vraiment reconnaissant. Je suis reconnaissant envers vous. Mais tu vois, Uduka, ce n'est pas le problème actuellement. C'est vrai que je me suis déjà engagé. Pourquoi fais-tu cela? Uduka, je te comprends. Mais malgré le fait que, tôt ou tard, Flora me dénoncera à la police. Ça n'a rien à voir avec vous. Mais je veux juste que tu me fasses cette faveur. C'est quoi cette faveur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Uduka. J'aime réellement ta sœur. Oui. Ça te paraît étrange, mais je l'aime, c'est tout. Cela n'a rien à voir avec ma culpabilité ni avec ce qui s'est passé il y a 5 ans. Non, c'est loin de là. C'est ce que je ressens. Et je sais que mon intuition ne me trompe pas. S'il te plaît, aide-moi. Je serai l'homme le plus heureux. Si elle me dit oui, je ne sais pas comment, mais je veux que tu m'aides. Donc, il a fini par tout avouer? Oui. Malgré tout ce qui s'est passé, tu ressens toujours quelque chose pour lui. Je me sens stupide de l'avoir été. Non, pas du tout. Tu ne dois pas l'être. C'est un homme bien. Il essaie de réparer son erreur. Écoute, ce qui est arrivé, est arrivé. Il t'aime toujours. Je l'aime, Uduka. C'est vrai. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. L'amour ne peut jamais être une erreur.
Tu as passé des moments difficiles et... je pense que cette fois-ci, tu dois te donner une chance d'être heureuse. Donc tu n'as aucun problème avec ça? Eh bien... tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Si Dave peut te rendre heureuse... ah, je n'ai aucun problème avec cela. Ça va, ne pleure plus. Ne pleure plus, grande sœur, tout se passera bien. Ça va aller. Udoka. Dave. Udoka. Quand est-ce que tu es sorti de la prison? Je suis sorti il y a quelques jours de cela. Udoka? Oui. Tu parles avec qui? Ifeoma. C'est moi. Oui, c'est moi. Dave? C'est moi, approche. Dave, c'est bien toi? Oui, je suis content de te revoir. J'ai été libéré il y a quelques jours de cela. J'ai alors décidé de venir voir si vous êtes encore là. Nous sommes toujours ici. Vous devez parler. Donc je vais vous laisser. Grande sœur, si tu as besoin de moi, je suis à l'intérieur. Ok. Ifeoma. Je suis content de te revoir bien portante. Tu sais, le fait d'aller en prison m'a enseigné beaucoup de choses. Tu sais que je ne suis pas ce genre de mec qui parle sans passer à l'acte. Aller en prison m'a donné beaucoup de temps pour penser à certaines choses. Des choses comme quoi? Ifeoma. Je sais que je t'ai causé du tort. Et je sais que la perception que tu as de moi a changé. Ainsi que mon intention. Mais je suis venu tout réparer. Je voulais aussi te dire que je ne faisais que penser à toi en étant en prison. De quoi est-ce que tu parles, Dave? Ifeoma, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Ifeoma, je t'aime. Je veux que tu acceptes mes avances, Ifeoma. Donc... ça ne te dérange pas d'avoir une femme aveugle? Que tu voyes ou pas, Ifeoma. Je veux juste passer le reste de ma vie avec toi. Écoute, je serai l'homme le plus heureux de la terre. Si tu acceptes mes avances, Ife. S'il te plaît. Dis juste oui. Ifeoma, dis juste oui. Oui. Merci. Merci beaucoup, Ifeoma. Merci beaucoup.